RTL. C'est l'heure de l'invité du jour. Ah, notre invité du jour vient nous présenter son tout nouvel album. C'est un événement, évidemment. En plus, c'est un album tout en français. Puis il y aura une longue tournée qui va démarrer en mars 2024. Ça commencera par Bordeaux. Mais c'est déjà complet. Puis après, il y aura des zéniths un peu partout en France, des énormes salles. C'est vrai. Sans compter Paris. Voici. C'est Mika. Jay-Z. Voici Mika. Mika est notre invité du jour. C'est le premier single extrait de cet album, Que ta tête fleurisse toujours. Voilà un titre curieux, le titre de cet album. qui provoque la curiosité, c'est sûr. Ah oui, que ta tête fleurisse toujours. Moi, et c'est sa maman. Voilà, j'ai l'explication. Moi aussi, évidemment, mais je vais jouer les Candides. Ah, bon, les Candides. Parce que cette phrase, effectivement, c'est une phrase de votre maman. Exactement, c'est un message que j'ai reçu pour mon... C'était un cadeau d'anniversaire. Et c'est un petit dessin qu'elle avait fait, un dessin qui a l'air tout simple, tout naïf, tout bête. Et c'est un portrait de moi avec une Marseillaise. Des fleurs qui sortent de ma tête et elle m'écrit le message « Happy birthday, may your head always bloom ». Je te souhaite que ta tête puisse fleurir toujours. C'est le dernier message, c'est le cadeau d'anniversaire que j'ai reçu. Elle ne pouvait plus écrire à ce point-là, elle était malade. Elle a écrit en anglais quand même ? En anglais. Et avec une main d'enfant, plus que jamais. Elle avait toujours une main assez naïve, mais là, c'est vraiment une main d'enfant. Et je sais l'effort, avec sa maladie, que ça lui a pris des heures. Mmh. Et c'est le dernier message qu'elle m'a envoyé avant sa disparition. Et je me suis dit, ah, c'est mignon. C'est seulement après, un petit peu en se disant, ok, je me libère de ce deuil, que je me suis rendu compte de l'importance et aussi l'audace de cette provocation. Je me suis dit, cette dame qui m'a entraîné, qui m'a formé, on avait fait de la musique depuis, j'avais commencé à travailler à l'âge de 9 ans avec elle, elle me conduisait partout, elle m'entraînait tous les jours, 4 heures par jour. Et je me dis, mais même après sa mort, elle peut me mettre la pression. Et voilà. C'est parce que l'histoire est magnifique, mais la chanson est pas top. On rigole. Eh ben, bienvenue dans les grosses têtes, mesdames et messieurs. Nous y sommes finalement. N'écoutez pas. J'ai toujours peur. Hein. J'ai peur de venir ici. C'est vrai. Bien sûr. Vous êtes parce que vous êtes surtout dangereusement intelligent. Donc un ou deux seulement. Et encore aujourd'hui. Vous serez le 25 mars à Paris, à l'Accor Arena. Je donne la date parisienne, mais évidemment, c'est une tournée à travers toute la France. Pas seulement la France, hein, d'ailleurs. Vous chanterez aussi à Dublin, à Londres, à Berlin, à Bruxelles, à Amsterdam, à Genève. Longue tournée à partir de 2024. Ça commence, je l'ai dit, par Bordeaux le 1er mars 2024, avec les nouvelles chansons, toutes en français, on l'a dit aussi, chansons de cet album. J'aimerais faire découvrir deux ou trois extraits d'autres chansons, parce que là, on vient d'entendre ce single. Je trouve c'est un très bon choix d'ailleurs. J'aime bien cette chanson parce que franchement, on a envie de danser. Elle est joyeuse, cette chanson. C'est la vie, c'est la vie. Et oui, c'est ça, la vie. Mais il y a d'autres chansons, moi, qui m'ont marqué sur cet album. J'aime bien Touche Touche, par exemple. Ah. Je n'attends qu'une chose ce soir, que tu t'approches dans le noir, que tu me lances un seul regard. Je n'attends que ça ce soir. Prends ma main pour un slow, passe ta main dans mon dos et amène-moi n'importe où tant que je tombe à genoux. Une balle en plein cœur, c'est beau en plein été. T'as tiré, tu m'as touché. Celle-là, elle est faite pour marcher aussi. Hein. Pour moi, c'est un tube possible, ça aussi. Hein. Tu sais, j'écoute toujours les chansons après que je termine, quand ils passent à la radio. Et ça, c'est la première fois que je l'entends, parce que la compression,
qui est un petit peu l'effet qu'on met sur la musique à la fin, le son de la musique, ça change complètement. Et donc, pour moi, c'est toujours une découverte parce que c'est complètement différent que la version que moi j'ai fait dans le studio. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est une vraie bonne version qui peut être aussi un tube. Alors, il y a une chanson, j'allais dire plus amusante. C'est pas qu'elle soit amusante, si, d'ailleurs aussi, elle est amusante. C'est que c'est un peu une réaction à cette injonction qu'on entend tous, et particulièrement quand on vieillit, il faut bien le dire, bouger. C'était pas mon idée, hein. C'est basé sur une idée. Une énorme frustration de Valérie Lemercier. Voilà, j'ai vu que son nom était associé à la chanson. Je me demandais pourquoi. Effectivement, c'est Valérie Lemercier qui aurait eu cette idée. Et je pensais qu'elle était folle quand elle m'a présenté l'idée. Bouger, bouger, il faut bouger. Et c'est vrai qu'on est là à compter nos nombres de pas par jour. Écoutez, bouger. Mes bien-aimés, nous sommes ici pour partager ce qui nous lie. À la télé, à la radio, vous entendez les mêmes mots. Pour votre santé, allez-y, faut bien émerger. Pour votre santé, allez-y, faut bien émerger. Pour votre santé, allez-y, faut bouger. Cette partie-là, il faut la mettre plus fort. Qu'est-ce que vous dites, Mika ? Cette partie-là, il faut la mettre plus fort, écoutez. Allez, plus fort. Bougez. Et puis il y a aussi une autre chanson, plus intime, celle-là, c'est une chanson qui s'appelle « Moi, Andy et Paris », où vous racontez, j'ai envie de dire une mésaventure, parce qu'on peut appeler ça une mésaventure. Quand, une énorme dispute. Voilà, quand quelqu'un décide de prendre ses valises. Non, je l'ai demandé de les prendre. Ah oui, pardon. Alors ça, c'est vrai. Alors ça, c'est une vraie séparation. C'est encore pire. Quand quelqu'un dit « c'est pas lui qui est parti, c'est moi qui lui ai dit de partir », là, on tient vraiment le nœud plus, j'ai écrit une chanson pour en parler. Et la voici. Ça commence la dispute, les mots durs, les mots bruts. Bouchez-vous les oreilles, car le monde se réveille. Il me parle d'Athènes et de tout ce qu'il aime. Mais soyons réalistes, je ne suis plus dans la liste. Qu'est-ce qui va faire chez les Grecs? Que la bague, un mec. Please excuse my French, je crois bien que c'est fini. On sourit mais on est triste, comme une photo de touriste. Please excuse my French, dire qu'on s'est dit oui. Ça vous va bien le français, Mika? Ouais. Moi, Andy et Paris. C'est une des autres chansons sur cet album tout en français. Le français vous a déjà porté chance. On se souvient de ce succès, cet énorme succès qui était en français déjà. C'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me l'était trop. D'ailleurs, on a reçu il n'y a pas longtemps ici même, parce qu'il vient de raconter sa vie, son histoire, Dorian, qui fait partie d'un de vos co-auteurs paroliers, qui a écrit depuis des années quelques chansons, son j'ai livre. J'ai pas lu le livre parce qu'il parle de moi. Ah non, mais il dit rien de mal de vous, trois conneries, mais rien de j'en suis sûr. vous devriez, parce que le livre est très je sais, très il écrit super bien. Très réussi et très très amusant. Mika est avec nous pour son nouvel album Que la tête fleurisse toujours. Mais attention, dans moins de 2 minutes, il y aura un deuxième Mika dans ce studio. RTL. La valise. La valise RTL. On n'est pas à l'antenne, vas-y, tu peux te lâcher l'âge d'équerre. J'ai à peine demandé si on était à l'antenne, exactement. Oui. On ne dit pas Mika, lâche des caisses, Toen. Non, même. Vous savez ce que ça veut dire, lâcher des caisses? Non, lâche des caisses. Si, la batterie. Non, ne retiens pas ça, ça veut dire quoi, lâcher des caisses? Ariel va vous expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher des caisses? Ariel, elle fait une tête un petit peu. Je refuse de jouer ce jeu. C'est exactement. Mes chers monsieur vulgaire, donc je peux imaginer que. Non, je refuse. Ni de traduire, ni d'expliquer, ni de rien. De rien. I stay silent.
J'en profite que j'étais là sous la main pour te remercier parce que tu as fait un concert à Nouméa et je jouais également ce soir à la Nouméa. On était dans le même hôtel et donc toi tu faisais ton concert qui durait plus longtemps que mon spectacle et après mon spectacle on est allé manger dans un restaurant. J'étais avec toute mon équipe, on a mangé et puis au moment de payer l'addition, les serveuses me disent non c'est pour le directeur. Je dis bah non quand même. On a mangé toute mon équipe et moi. Elle dit non c'est pour le directeur. Mais je dis bah amenez-moi au directeur quand même que je le remercie. Donc je vais voir le directeur et je dis merci beaucoup pour le repas que vous m'offrez. Il dit non écoutez, ma femme vous adore, elle chante vos chansons depuis ce matin. Donc grâce à toi, on va faire le restaurant parce qu'on m'a confondu avec toi, Nouméa. Je ne sais pas, à votre place, je ne sais pas si je le prendrais comme un compliment. Ah, moi, je l'ai pris comme un compliment pour moi. Génial. Il est là, le deuxième Mika. Ouais, cocu, tout le monde. Sébastien Thoen. Et gros cocu, d'ailleurs, Jean-Philippe Janssen. Je peux vous dire que, je tiens à vous dire, je ne suis pas du tout relax. Parce que Mika, quand je t'ai imité la dernière fois à RTL, t'as dit que je t'imitais mal. T'as dit que je t'imitais mal. Et toi et moi, ça a fait boum, boum, boum. Donc, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai bien réfléchi. Et du coup, je pense que le problème vient de toi. Oh, bien sûr, t'es comme ça avec tous les garçons. Quand tu vas nous brer, relax, c'est tout. Ça me fait penser qu'il y a une chanson, évidemment, qui s'appelle Jane Birkin sur l'album, qui est très jolie aussi, hommage à Jane Birkin, qui elle aussi parlait ce français qui nous est cher, parce qu'on aime bien, d'autant moi qui parle anglais un peu comme vous parlez français. Je trouve ça très mignon de toute façon. Nico, c'est là aussi. Oui, salut mes loups, et salut mon Mika. Je me permets de imiter Nikos, car Mika avait dit que la voix était super quand il était venu à RTL. Ça donne son avis sur la voix de Mika, de Nikos. Le mec se prend pour un coach H24. Hein. En plus, c'est super. Tu reviens comme coach à The Voice pour une 8e saison. Il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu. Mika, il appelle pas ça The Voice, il appelle ça The Airbnb. C'est vrai, vous serez dans la prochaine saison de The Voice. Ouais, on est en train de le filmer maintenant. Ah, super. Ah bah, vous allez retrouver Vianney, j'imagine. Il sera Vianney. Ouais, Mika, tu me vois au boulot à The Voice. Tu me vois quand on fait des chansons ensemble. Tu me vois aux grosses têtes. Ça commence à faire beaucoup, là. À vous, t'aurais préféré que je sois... Je sois pas là. Ah, je viens de comprendre, là, je suis des caisses. Nelson Montfort est là aussi avec nous aujourd'hui. Oui, oui, bonjour, bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes. Mika, c'est extraordinaire. En anglais, it's extraordinary. Vous parlez 4 langues, mais aussi mandarin et arabe. Superbe performance de Mika en anglais. Mika is the son of a bitch who wants to take my job. C'est merveilleux. Merveilleux d'être aussi doué en langue. En espagnol, cabron, tuyo, boxado, de l'autolone, como, buba y caris. Bon, Mika, on vous souhaite le meilleur. En italien, vaffanculo. Yo, sono il campione. Merci monsieur Montfort. Aïe. On termine par Nicolas Sarkozy. Bonjour monsieur Mika. Dites, vous avez été juré dans The Voice, X Factor, la Star Academy au Québec. Donc, pardonnez-moi si j'achète pas votre nouvel album. En ce moment, je vois tellement de juges, c'est pas pour en plus les écouter. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebré, qui sera à la Cigale ce week-end. Et vous, Mika, je le rappelle, vous serez dans le grand studio d'Éric Jean-Jean samedi prochain de 18h15 à 19h sur RTL avec notre spécialiste musical ici sur RTL, Éric Jean-Jean, le grand studio samedi prochain. Maintenant, on va vous demander de porter chance à un de nos auditeurs ou une de nos auditrices. Est-ce que vous voulez bien me donner un numéro de 1 à 20, Mika ? 18. Le numéro 18. Lucky 18. Alors c'est vous qui allez vous présenter directement à monsieur Bassan, Jean-François Bassan, qui habite dans l'Aude, à Marseillette. Marseillette, c'est le nom du village ou de la ville. C'est où Marseillette? Mais il sait pas que je vais l'appeler. Ah non, il sait pas. Non. Ça, il sait pas. Il va falloir vous présenter, vous expliquer où vous êtes. Et après, il sait pas forcément quitter, donc fais gaffe. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-François et il habite Marseillette. Allô? Au pire, tu dis salut, c'est Obispo, on s'en fout. Hein. Il faut lui demander le contenu de la valise. Allô? Jean-François Bassan. Ah oui, je laisse un message. Allez-y. N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Jean-François, en fait c'est Mika, je suis là en direct sur RTL et je suis avec toutes les grosses têtes. Dites bonjour, ne soyez pas... Bonjour Jean-François.
Il le fait bien. Ah oui. On applaudit. Juste pour vous dire, on est désolé, mais t'as perdu. On peut peut-être lui offrir votre album, Mika. Mais je pense pas. Après ce message, je pense qu'il va pas le vouloir, l'album. Allez, on va faire un petit effort. On t'a appelé, t'as pas répondu, et j'espère que tout va bien. Vous voulez pas qu'on lui offre votre album? Non mais attends, on sait pas dans quelle situation il se retrouve. Peut-être qu'il y a quelque chose de grave là. Peut-être qu'il est juste aux toilettes ou il est dans la douche. Ou il s'est passé quelque chose de très mauvais. En tous les cas, avec... Alors ce que je fais, je vais mettre l'album dans la valise RTL pour les prochains auditeurs. C'est bien. Et Jean-François, je suis vraiment désolé. Parce que... On vous embrasse, ça, Jean-François. Je pense que le répondeur a déjà coupé. Effectivement, je glisse dans la valise RTL pour ceux que nous appellerons dans les prochains jours. L'album de Mika, que la tête fleurisse toujours. L'album de Mika vient de sortir avec toutes ses nouvelles chansons en français. Une grande tournée démarre en 2024 avec un passage à Paris à l'Accord Arena le 30 mars. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Et dans un instant, vous retrouverez Marc-Antoine Lebré chez Julien Cellier. Bonsoir Julien, on vous envoie Marc-Antoine très vite.